Eh bien, salut à toutes, salut à tous, et bienvenue, ici Zakon, actuellement liquide. Et aujourd'hui on se retrouve avec une leçon de science. Saviez-vous que dans le corps humain il y avait environ 45 litres d'eau? Saviez-vous qu'à l'heure actuelle, il y en a à peu près 30 sur mon siège? Oui, exactement. Il fait très chaud, j'espère que vous allez bien, pas comme lui là, hein. Moi ça va, hein, si ce n'est... que j'ai pas la clim, mais tout va bien sinon, hein. Franchement, toujours bien. Quand le truc nécessaire à la survie tombe en panne au moment où vous avez besoin de survivre. Vous vous souvenez, dans le dernier épisode, je vous ai parlé des tonneaux. Voilà, nous avons rempli cette promesse. Y a un truc sur le pont, là, non? Non. Deux trésors qu'on ne verra jamais. Voilà, c'est fini. Si vous vouliez savoir ce qu'il y avait dans ces trésors et que vous avez attendu cet épisode pour voir ce qu'il y avait dans ce trésor, nick, désolé. Attention, il y a des pics sur la porte. Ah, attention, il y a une cinématique sur la porte. Je vous ai remis la fille, comme je vous l'avais promis. Dites à notre seigneur de ne pas oublier la loyauté de son serviteur, Rama. Mais attends, pourquoi il... Bref. Ashley ! Léo ! Ashley en phase terminale. Comme vous êtes stupide, monsieur Kennedy. Vous avez reçu la grâce de Lord Sadler. Ah, tu parles trop. Et pourtant, vous échouez à... Oh ! Espèce de rufle, sans aucun savoir-vivre. Oh, le discours de méchant, on s'en fout, hein. C'est un zombie, hein. On le sait, hein. Oh, le boss fight. Oh là. Laissez-moi vous montrer le pouvoir que j'ai reçu de mon maître. Le pouvoir du Dieu. Tout est prêt pour l'acte final. Mais c'est dégueulasse. J'ai pas eu le temps de voir le point fluo faible, moi. Vaincre Ramon. Ne mêle pas à ton scénario pourri. Eh bien, pourquoi ne pas me montrer à quoi ressemble un bon scénario en l'écrivant vous-même? Qu'est-ce que... J'entends des bruits, mais pas aux bons endroits. Oh, les shit. Ah, dis donc, bonito. Oula, oula. Ah, il pose des bombes, je viens de comprendre. Hein. Désolé. Bon, hein, il m'a saoulé. Oh, il m'a complimenté là. C'est très bizarre les tentacules qui s'accrochent là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh! Quelque chose ne va pas. Le spectacle ne fait que commencer. Oh! Je pense qu'il faut toucher le corps à l'intérieur, mais il se passe des choses bizarres. Hein. Oh, la musique! Oh, c'est Ramon! Oh, oui, c'est Ramon! Oh, c'est Ramon! Ouais, mais 2 secondes. J'y connais rien en opéra, moi. Attention, il a posé une mine juste là. Ouais, voilà. Oh, découvert de... Salaud. Décidément, il s'y connaît en comédie musicale. Seigneur, que pensent les autres de vous? Je crois que je suis en train de rater la grosse attaque stylée. Wouh!
Oh la vache. Mais je comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe en fait. Il se passe des choses et je crois que le monde il est à l'envers. Mais si ça se trouve c'est moi qui suis à l'envers. Nick. Oh. C'est dégueulasse. Oh. Oh, il m'a attrapé. Suis-je mort? Oui. Ok, il a une grappe qui one-shot. Et qui ressemble aux autres attaques. Ah ouais, c'était amusant. J'ai adoré le moment où je me suis fait grabe alors que ça ressemblait... Bref. Utilisez le meilleur moment pour mettre à couvert des jets d'acide de Ramon. Oui, c'est pas le jet d'acide le problème, même si je me le suis tous pris. Il est dégueulasse, hein. What the fuck, la grappe? Il m'a one-shot. J'ai même pas eu l'occasion de le parier. Fuck! Bon, c'est pas grave, on recommence, hein. J'adore recommencer. Est-ce que je lance roquette? Ainsi, je vous ai remis la... Bon, on va se retaper le dialogue, désolé, hein. Soyez frais. Me mêle pas à ton scénario pourri. Tenez le coup. Est-ce qu'il serait pas hyper faible aux aveuglantes, by the way? C'est pas la bonne ferraille. Enfin, il me faut la ferraille. Oh. Bon, c'est l'occasion de vérifier, hein. Oh putain, mais c'est ces trucs-là, d'accord, c'est les trucs noirs, là. Je peux passer à côté ou pas? Non. C'est pas du tout, genre. Ok, tu veux pas venir plus près? Ok. Oh putain, il faut surveiller les pieds aussi. C'est ça la grappe? Peut-être. Ok. Bon, maintenant je comprends un petit peu plus ce qui se passe. Ça devrait mieux se passer. Wouh! Salaud! Surveillez votre langage, monseigneur. Je pense qu'il projette sur nous, hein, beaucoup de la haine qu'il a reçue parce qu'il n'arrête pas de nous traiter de petits. Et de dire t'aurais pas dû naître. À mon avis, c'est des choses que lui il a reçues quand il était plus jeune. Oula! Wouh! Il m'a touché à travers, hein, by the way. Tu sens la défaite, toi! Oh! Oh putain, je les vois pas, les trucs noirs! Je suis trop occupé à regarder le truc géant qui vole. Oula, je peux l'atteindre là? Oui. Bon, attention, la grappe, c'était maintenant. Ah putain de merde, les putains de mines de merde. Oh, il y a un bruit bizarre derrière moi là. Je t'ai pas loupé, mon gros! Je suis caché. Je suis concentré, mes excuses, hein. Voilà. Pour la fin! Je suis en face de moi. Hein.
Ah putain de... C'est pas fini. C'était madame... Non. Putain de mine de... Ah. Roder. Joder. Ouais, moi non plus, ouais. Oh, oh les putains de mines qui sont au sol quand il y a le mec qui est en l'air. Putain de merde, qui a eu l'idée de faire ça? Merde. J'ai plus de heal. J'ai plus de heal, la prochaine mine, je suis mort. Oh, oh le clutch. C'est bientôt fini? Oh la vache! Not even close, hein. C'était pas dur, c'était juste confus. Rouge à lèvres. Mais pourquoi diable? Bon, après tout, hein, on est en 2023. Hein. Alors... j'ai absolument rien, je suis à poil. Oh, oh c'était clutch là, au dernier moment. Heureusement qu'il y a la protection anti-one shot. Hein. Bon, le Magnum aura carry. Vu que je trouvais aucun moyen, aucun autre endroit où le rendre utile. Ça aura servi contre ce foutu Sadler. Ancienne chapelle. Ok. Petite sauvegarde là, ce serait chouette. Il y a un item là. Il y a un item qui est tombé sur le mur que je peux pas rattraper. Formidable. Est-ce qu'il y a des trucs noirs que je pouvais pas voir et qui là va me tuer? Non. C'est un peu chiant ça, hein, le système de « Hey, il y a des mines, fais gaffe !» Ouais, mais l'ennemi vole et est accroché au plafond. Et il a un one-shot s'il s'approche trop vite de toi. Oh. Ah, c'était escaladé, je pense. Ouais, ok. Bon. Le premier carreau qui passe, je suis mort. Hein. Ouais, bon, bref. J'aurais pu lancer roquette, mais on a fait sans. Bon. Ashley. Pas de temps à perdre. Ouais, je prendrais bien le temps de me soigner quand même. Ouh, on est qu'au début de l'épisode, hein. Oh, ok, de la thune. Allez, on se suicide. On ne peut pas. On dirait la fin d'un film. On vient de tuer le grand méchant et tout. Et là, on va nous-mêmes mourir, dos à la mer. Avec une musique au violon. Et après, notre fille, elle fera le 2. La revanche. Non, bien sûr. Bon. Je survivrai pas au prochain combat. Hein. Donc, si vous avez une sauvegarde, c'est maintenant, les gars. Et là, ils sont 15. Avec des griffes. Où est-ce que tu l'emmènes? On change de ville, là. On change d'état. Ok. Oh. Ça pue, hein. Quoi? On y retourne, Léon. Comment ça? Ah non, c'est plus tard, pardon. J'ai lu la map dans le mauvais sens, tout va bien. Allez, une herbe, quelque chose. Bordel. C'est pas l'argent qui apporte le bonheur, il paraît. Hein. Et là, un piège à loup. Allez. Ah, du coup, ça rend la séquence tendue et cool. En vrai, d'être dans cet état juste après le gros boss, là. Ah, bordel. Y a un rat. On les a faites, hein. Oui. Je suis pas serein, mais bon.
Bon. Au cas où, on sort le pompe. C'est une sauvegarde, ça? Je crois bien. Non, c'est pas une sauvegarde. Oh merde! J'ai échoué, monseigneur. Je n'ai pas été capable d'exaucer votre dernier souhait de remettre le jeune garçon sur le droit chemin. Maître Ramon n'était encore qu'un enfant quand je l'ai vu, quand j'ai vu pour la première fois le mal en lui. Lorsqu'il découvrait qu'une servante se moquait de lui en l'appelant Pulga... Oui, d'accord. C'est donc lui, il a bel et bien projeté sur nous, c'est bien ce qui me semblait, hein. Pulga s'étend dans son dos, il l'a convoqué dans ses appartements privés. Après avoir forcé la jeune fille à se mettre à genoux, il lui aspergea le visage avec un flacon de vitriol sorti de sa poche. Le jeune maître regarda avec satisfaction la servante se tâte de douleur, alors que la peau de son visage tombait en lambeaux. Son rectus malsain entre encore mes nuits. Hante. Avec le temps, la perfidie de Ramon n'a fait que croître, et les membres de cette secte infernale se sont vite aperçus qu'ils pourraient exploiter son cœur vulnérable, maudit soit-il. Ils ont manipulé Maître Ramon et ont fait de lui leur marionnette. Et le pire dans tout cela, c'est qu'ils ont réussi à utiliser pour libérer les plagas que la famille Salazar avait juré de garder scellés à jamais. C'est bien ce qui me semblait. Que du coup, ça a été découvert, mais pas sous le règne de Ramon. Mais du coup, voilà, ouais, c'est ce qui s'est passé en fait. Donc c'est la fille, vraiment la secte, les responsables. D'avoir perverti la famille Salazar via Ramon et... Okay. Don Diego, rassurez-vous, j'ai l'intention de veiller sur Maître Ramon jusqu'au bout, quel que soit le sort qui nous a réservé. Pour avoir été au service de la famille Salazar depuis mon plus jeune âge, c'est mon devoir et ma pénitence. Parce que là, quand même, la famille Salazar, au final, c'était pas des mauvais gars. Hein, tout comme les gars du village. C'est... Oh, j'ai pas le temps de jouer avec toi, mec. C'est un rat noir, à mon avis, il a des dents pointues, lui. Hein. Lui, à mon avis, il mange pas que des graines. Hein. En plus, il est venu me voir en mode « Ça va, frère ?» Ouf. C'est pas les flammes du marchand, ça. Hein. Embarcadère. Bon, continuons. Allez. J'ai vraiment rien dans mon inventaire. Non. On est à Welp. Ok. On est un peu à Welp, mais... Ah ben un spray, j'avais pas vu, pardon. Ok, la séquence n'avait pas besoin d'être tendue en fait. Ou alors je viens de le trouver, je m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas. Les grenades... Voilà. Je crois que j'en ai plus. De quoi tu parles? C'est pas grave. Ok, on va mieux. C'est bon, c'est plus si tendu que ça finalement. Parfait. Au moins, j'ai pas besoin de nager. Oh. Je voulais pas affronter un deuxième Del Lago. Ok, soit. Même si j'entends des trucs chelous dans les environs. Bon, il y a pas de trésor, on y va. Hein. On va juste ouvrir ce truc-là. Si ça s'ouvre, ça ne s'ouvre pas. Eh ben ça, alors, je pensais pas qu'on irait ailleurs, dis donc. Mais où allons-nous? Nous demanderait Dora l'exploratrice. Fais chier. J'ai pas les clés. Oh. Tu cherches quelque chose? Oh. On est compagnons maintenant? Oh oui. Oh oui, on est copains maintenant. On n'a pas fini deux chapitres dans... Ah non, c'était... on a changé d'épisode entre deux, désolé. Voyons voir les résultats. Terminus, Salazar, oui. Alors, on est mort deux fois, une fois contre Salazar et une fois, je sais plus, 1h07. Ah oui, on est tombé de l'échafaudage, putain, franchement. On a trouvé le truc, tout va bien. Ok, bah c'est bien, c'est formidable. Franchement, celle où on est tombé du truc, c'était pas nécessaire. Hein. Mais maintenant, on sait. Ok, chapitre 13, dis donc. Allons voir. Chapitre avec Ada. Putain, on a perdu beaucoup de gens hein, en l'espace de très peu de temps, là. Hein. Si Ada meurt, je désinstalle. Parce que ça se trouve, elle meurt. Je sais pas si elle est dans le 6, moi. Je crois que oui, mais... Je vais bouder. J'ai l'impression que t'as quelque chose à me dire. Comment ça, moi ? Une question à te poser. Mais je m'attends pas à ce que tu me répondes. Raccoon City. Tu sais, après l'incident, le monde a changé. T'essayes de sauver une personne et il y en a 100 qui meurent. Peut-être que moi aussi, j'ai changé. Toi, Léon Scott Kennedy?
Tu n'as pas changé. C'est juste dans ta tête. Oula, mais c'est une base. Bref, voilà ma question. Est-ce que t'as changé, Ada? Ou tu comptes encore te servir de moi? À ton avis. On y est. Super. Allez, salut. Te prends pas la tête, beau gosse. À plus tard. Allez, on conduit. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ok. Putain, va falloir qu'on fasse le 2, hein. Le 2 remake, hein. Voir le 2 tout court, parce que j'ai une revanche à prendre sur le 2 tout court, mais... Mais tant qu'à faire le 2, autant faire le remake, je pense, hein. Merde, c'est le bon chemin direct. Bon, on est où, là? Sur une île. Ok. Soit. Donc Ramon n'était qu'un boss de... 2/3 de jeu, dis donc. Habile. Oh la vache, c'est grand. Alors j'avais souvenir d'une espèce d'énorme plateforme, ouais. Mais là, il va pas y avoir des mecs espagnols, ils vont pas être juste ici. Ça va être que des soldats d'élite, là. Ah, ou des Illuminados, ouais. Oula, non, oui. Non, non, ils sont chargés, là. Ils ont des armures et des casques, hein. Oh, merde. Heureusement que j'avais un truc, du coup, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on peut observer de la manière traditionnelle. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ashley, te voilà. Pourquoi? Pourquoi il fait passer par le château pour la turbo... Parce que Sadler est là, peut-être? Et pourquoi ils ont besoin d'une vierge, alors s'ils ont déjà fait les expériences sur les... C'est un vrai guépier, ici. Les expériences sur les femmes et les insectes et tout, ou alors c'est pour une version encore plus vénère, peut-être parce que la femme d'origine n'était pas vierge. Et donc, du coup, ils peuvent faire une race encore supérieure du Plaga, et c'est ça le but. J'en sais rien. Peut-être que c'est juste des méchants pour être méchants aussi, hein. Bon, à mon avis, le truc vert, là, ça veut dire qu'on peut la contrôler, la tourelle. Mais à mon avis aussi, on va galérer contre ces mecs-là, hein. Ils ont des casques et tout, à mon avis. Si j'ai le shot de loin, ça passe pas, là, hein. On va essayer, on n'a pas le choix. Je dois faire vite. Ah bon? D'accord. Et là, il y a un timer. Bon, ça sent le côté zone finale quand même. Mais on va pas se porter la guigne. Hein. On va respecter le temps que le jeu a à nous offrir. C'est parti. Et du coup, une nouvelle zone, donc nouvelle carte et tout. Est-ce que le marchand sera là? On sait pas. Beaucoup de questions, bien sûr. Oh. Alors, est-ce que c'est juste le mur là qu'il faut pas passer? Je pense. Je pense qu'il faut passer derrière et le désactiver. Ok, bon, le marchand est là. Première question résolue. On va aller là. Oh, y a un bruit très désagréable dans l'ambiance sonore, là. Mais attendez, mais... Les serrures du château, là, du coup, on aurait pu avec Ashley quand on l'avait? Chassés par les impies belliqueux, nous retrouvons en exil. L'herbe est sèche, les arbres sont stériles. Nous attendons l'expiation. Cette île est notre purgatoire, mais ne perdez pas espoir. Mes frères et sœurs, notre heure viendra. Esther Sadler. Ouais, parce qu'il y avait des serrures que... C'est Ashley qui avait les clés. Et on n'a jamais pu revenir, quoi. Ou alors c'est pour le New Game Plus, quoi. C'est possible. Peut-être que t'as plus de tuiles en New Game Plus avec des trésors qu'on ne peut pas avoir autrement. Va savoir. Ok, il y a un chemin là-haut. Ou alors peut-être que avec Ashley, quand je la jouais, j'aurais pu ouvrir ces trucs-là et je m'en suis pas rendu compte. C'est possible. Après tout, j'ai raté quelques trésors déjà. Pourquoi c'est autant dézoomé? Je ne sais pas. T'as bien des trucs pour moi?
J'ai quelques nouveautés en stock. Viens y jeter un œil. Comment t'es arrivé jusqu'ici, by the way? Bref. J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Oh, bah alors là, il y a une arme qui s'appelle le Killer 7. Enfin, oh. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Oh, c'est des balles de Magnum. Je crois que j'ai compris, by the way. Hein. Quand c'est vert, c'est balles de gun. Ça dépend de la couleur au milieu, là. Hein, parce que quand on veut racheter, gun, pompe. Ah bah non. Du coup non, la couleur n'a rien à voir. Je pensais mais non. C'est peut-être la puissance. Oh, il m'intéresse un peu ton Killer 7 là. Un Magnum facile à prendre en main, équipé d'une visée laser. Ça serait notre Magnum en mieux quoi. Et bah ça m'intéresse grandement, dis donc. Ça m'intéresse grandement. Ah, on en a plus besoin. Trésor ou babiole, okay. Ça n'a pas d'importance. On va vendre notre... De toute façon, à l'heure actuelle, on n'a plus de balles. On va le vendre, le Broken Butterfly. Une affaire bien conclue. Ah, mais je peux pas l'acheter, regardez. Attendez, on va voir, en échange. Oh, on peut en avoir une autre. Où on a déniché ces merveilles. Oh. Alors tu pars à la chasse aux objets perdus, étrangers. Qui trouve garde. Ah, c'est con, si j'avais su qu'il y en aurait un autre de ticket. Bon, on économise pour ça, hein, tous les jours. Hein. On essaie de choper le Magnum et... À vendre, étranger. Du coup, on garde notre fric. Comme neuf. Capacité du pompe. Cadence de tir, on en a pas besoin. Hein. Capacité peut-être, quand même. Et voilà. On finit le pompe. Malheureusement, on a atteint la limite pour cette arme. Elle est assez puissante. Pour le commun des mortels. Bien sûr. Cadence de tir par deux. Multiplier la cadence de tir par deux. Ouais, c'est bon. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Bref. Donc à partir de maintenant, on économise pour le Killer 7. Oh, mais j'avais pas vu. Oups. Oh, j'ai pas fait gaffe, en fait. J'avais la thune pour... Ah, bah, rip. Pardon, hein. Je l'ai pas vu du tout. Bon, on économise pour ça, d'abord. Puis pour le Killer 7, pour tester. Et si on trouve des balles de Magnum entre temps, il nous a carré sur Ramon le Magnum, on va pas chialer. Cool. De toute façon, il reste 3 chapitres, donc si on peut choper un bon Magnum, ça serait chouette. Parce que l'autre était cool, mais très imprécis. On aurait pu comparer les deux aussi. Qu'est-ce que ce bruit? Ah, les trucs qui se sont mis à jour. Vu. Ouais, il y a du taf. Il y a du taf et il y a de la thune sur la map, donc c'est parti. C'est-à-dire qu'on aurait pu augmenter la puissance du Magnum. Donc est-ce qu'on peut... juste le désactiver? Oui. Oh. Ok, ça le décale. Donc peut-être que ça va tirer sur les copains. Enfin, sur les copains de la tourelle, pas nos copains à nous. Parce qu'on n'a pas de copains, de toute façon. On a une copine, mais elle nous déteste, et elle nous fait des plans de merde, et en fait, elle nous trahit, elle nous utilise. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on a une copine? Oui. Dans certains couples, oui. désolé pour vous, hein. Alors. Bon. Oh. Je l'ai raté ou ça a tanké? Je crois que je l'ai raté. Je crois que j'ai touché juste à côté de sa tête. Moi, je me croirais dans un Splinter Cell là. C'est très particulier comme ambiance. Hein. Très longtemps que j'ai pas joué à un Splinter Cell. Oh! Je l'ai pas raté en fait. Ok, bon, il y a peut-être moyen de le faire sans alarme, hein, mais moi je suis pas très discret. Hein. Oula, 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 oula! J'ai pas envie de deal avec ça, moi. Hein. Ok. Il arrive le port là? Ouais. Je vais potentiellement rentrer en vrai. Est-ce que je peux me faire discret? Est-ce qu'ils m'ont juste pas vu? Bien sûr que si. T'es sérieux?
Oh la collette. Ok, il y en a d'autres là. Oh le carnage. Ok. Oh le carnage au sniper qu'on vient de faire là. Ok. Merde. C'est pas fini. J'aimerais bien en fait couper la tourelle. Je peux pas en fait. Faire le tour. Ah. Oh le... Molotov de ta vie, quoi. Ah, il était worse celui-là, hein. Tu brûles? Tu brûles pas. Tu veux pas reculer dans le truc? Oh! Ok! Donc ça marche bel et bien comme ça. Ok, on aura plus sans doute s'en servir. Notamment là. Oh puis merde. Ah ouais, d'accord. Le combat, on aurait pu le gérer de ouf avec les tourelles, en fait. Oh. Ok, là, je me pense vraiment dans une Splinter Cell, par contre. Je me sens vraiment comme dans Splinter Cell. Putain. Ok. Ok, ok. Ah ouais, j'aurais pu juste rediriger là et... Ah ouais, ça aurait été un carnage. Ouais, mais il aurait fallu que je traverse quand même, mais ouais, d'accord. Puis on a déjà fait un carnage, ouais, on va pas se... On va pas trop se... frapper sur les doigts. En vrai, c'était clean. Par contre, là... Quelque chose me dit que j'ai pas le droit d'aller là, hein. Parce qu'il y a un cadavre juste ici, en fait. Donc, il faut que je trouve un moyen de monter. Ça tombe bien, il y a une échelle. Ouais, ça aurait pu être bien pire, je pense, hein. Là, le... Ok. Et une rouge aussi. Cool. Ok. Nice. Niveau balle, on est comment? On peut mieux faire. Ah, bah j'ai plus de... D'accord. Balle. J'adore les balles. Oh là là, j'avais pas vu. Ah oui, on a plus le magnum, donc on a de la place. Bah oui. On va en racheter un, hein, vous inquiétez pas, mais... D'abord... Les embrouilles. Bon, il y a eu l'alarme, donc s'il y en a plus loin dans la... Dans la station, ils vont arriver soon. J'en entends pas, ceci dire, mais... Après, on a eu beaucoup de monde, hein. On a eu la visée de tout le quartier là. Ici on a un bon point de vue en vrai. Oh cool. Puis vu qu'il n'y a pas de musique de mode combat, il est possible qu'on ait juste nettoyé en fait. Alors voilà le bruit désagréable dans la musique. Attendez, je... Oh. Non, c'est une tête explosée qu'on a fait nous-mêmes. Ouais, si on était discret et qu'on bougeait toutes les tourelles, on aurait pu peut-être se les faire entièrement à la tourelle, les mecs. Et économiser nos balles. Mais bon. Tant pis, quoi. Est-ce qu'on peut passer, là? Bah non.
En passant sous la tourelle, on peut ? Je suis pas sûr. Parce que c'est là qu'il faut qu'on aille. C'est là qu'il faut qu'on aille. Ah, il y a un trésor aussi. Est-ce que j'ai le droit d'aller là, là ? Non. Nope. J'ai le droit d'aller me faire foutre, surtout. Et ben... Oui, on contente comme ça, quoi. Mais d'abord le trésor, hein. Trésor qui est... Dans les environs. Ah, putain, il est là. Il est là. Hop. Ok. Rappelons qu'il nous faut de la thune, hein, donc on prend. Ok, donc on passe par là, quoi. Et puis on fait le tour ici. Et comme ça, on peut passer, vu qu'on a... Ouais, tout va bien. En fait, on a... Ouais, non, c'était clean. On a tué tout le monde. Ils étaient une quinzaine, mais... Mais ça a été turbo clean. Est-ce que... Non, y a rien là-dedans. Ok, bon, soit. Bon, bah, cool. Pour une fois qu'on fait un truc cool dans ce let's play, D'habitude, on est un peu plus dégueulasse, hein. Mais bon. C'est la first time. Tout ça, quoi. On peut se... S'inonder de toutes les excuses qu'on veut. Bref. Allons par ici. Bon, là, s'il y avait une chance de pas mettre l'alarme... Un petit cadeau. Quoi ? C'est plus que c'était les grenades, hein. Ok. On peut pas les améliorer, nos grenades, donc... Peut-être trop pré-shot, je ne sais pas. Eh, mais il y a beaucoup de cocaïne, dis donc. Vous êtes des cocaïnés? Oh putain, je l'ai pas vu tout de suite, je l'ai juste entendu. Ok. Je me demande si ils font ça quand on fait tout le truc sans attirer l'alarme. Il y a un mec là. Oh, on est au-dessus de là, d'accord. Comment ça? C'est au-dessus encore, peut-être. Bon, c'est un traquenard qui nous tend, lui, hein, bien sûr, mais... J'ai pas réfléchi tout de suite au fait qu'il avait un casque. Oh, il faut de la dynamitas! Il est vivant? Pourquoi je l'entends encore là? Bref. Il faut de la dynamite. Il y en a pas. Et là, on n'a pas de Louis sauvage pour nous en trouver de nulle part. Donc, échelle. Oh, il y a un mec en haut là. Il monte tout seul, Léon, là, c'est pas moi. Lui, si je peux le stealth skill, ça serait formidable. Spoiler, il va se retourner, je ne pourrai pas. Voilà. Ça, voilà. Pas de cri, pas de haine. Juste que le moment était venu, quoi. Bref. Mais du coup, il faut vraiment de la dynamite, faudrait revenir? Ou j'ai même pas examiné le mur en fait. Voilà, ça fait très Splinter Cell, hein, ce qui se passe là. Hein. Ça fait très très Splinter Cell là. «
Et comme dans Splinter Cell, vous allez voir que je vais réussir à me faire repérer par un connard qui traîne et que je n'ai pas vu. Dans très peu de temps. Je crois que je l'ai vu, ceci dit. Je sais pas s'ils m'ont vu. Dans le doute. On va prêter l'oreille. Oh bordel. Bon bah lui par contre il est mis là pour ça. Hein. Mec regarde un mur en fait, dans un cul-de-sac. Ah non, il regardait pas forcément un mur. Qu'est-ce qu'il regardait? J'entends une corde. Qu'est-ce que tu regardais? Peut-être que si j'avais été de l'autre côté, il m'aurait repéré. Oh! C'est ça que j'entends. La tension. Oh, une herbe jaune. C'est peut-être un piège. Peut-être que c'est là qu'il m'aurait repéré, parce que j'aurais pris l'herbe jaune. Non, c'est pas le même couloir. Tout va bien. Ferraille. Ça brillait pourtant. Bon, de toute évidence, il faut faire péter ça. Ce qui n'est pas très discret, mais... Let's go. Ok. Et là, le mec nous aurait vu. Ok. Bon, il aurait entendu avant tout, mais... je crois que les mecs arrivent, hein, by the way. Hey! Un lynx. Un lynx. On a deux bérils, ceci dit. Hein. Enfin, deux comme ça, là. On peut faire trio ou duo, c'est ça? Quand on a trois, on peut faire trois couleurs. Oh, mais c'est moins bien. On peut faire duo, mais c'est le moins bien non aussi. Il faudrait réussir à faire trio, quoi, si on avait un béril. Oh non, mais ça rapportera moins, de toute façon, que de juste faire ça. Oups. C'est 42 000 quand même, quoi. On va pas s'asseoir dessus. On va attendre de voir si on trouve d'autres choses, mais... Oh, je les entends gueuler, là. S'ils viennent jusqu'ici, je peux potentiellement... Oula. Ils ont fait demi-tour. Fais demi-tour. Il faut pas demi-tour. Ok. Oh putain. Ok. Au devant. Ok. J'espère qu'ils se retournent pour juste bah, le backstab, mais tant pis. Hein. Ils ont entendu l'explosion, ils sont venus quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon. C'est passé. Tout va bien. Oh, je regardais même pas en fait. Je regardais même pas qu'on avait avec nous énormément de heal. On est très bien là. Hein. Très bien. Ça. Ouais.
On est tellement à poil par contre, niveau ressources là. On a plus de grenades, enfin on en a une quoi. Ça serait peut-être pas mal. Attendez, c'est quoi ça ici là? Ça serait peut-être pas mal d'avoir une aveuglante, hein, parce que il y a de nouveau des parasites. Des parasites tête. Des paratêtes. Donc ouais. Bon, revenons. Là, c'est en contrebas, tout va bien. Donc là, il y avait des mecs en face, c'est visiblement ceux qui sont venus nous rendre une petite visite. Un lance-roquette ? Ah, putain. Un couvert, qu'il a dit. Ça. Ok. Putain, il a un casque. Oh putain. Ah, j'ai pas survécu mes balles. Ok. Est-ce qu'on répond? Dolan. Oh, on est à poil. On est à poil. Il est où? Bah. C'est toi là? Oui, visiblement, oui. Comment ça je touche pas d'ici là? Ah, il est mort. Quel casque a volé là? Ah, c'est con de plus avoir le snipe là. Là je me régalerais mais... Ah, là je suis un peu à poil. Il y a peut-être des balles là-dedans, qui sait? Non, on va devoir aller les chercher à l'étage. Ouh. J'ai plus de grenades non plus. Terrible. Ok, le German. Putain, je pensais qu'ils étaient là. Mais il était là. La triche. Sous vos yeux ébahis, la triche. Ça s'arrête jamais. Oh bordel. Il est vivant, le mec, là? Non, ok. Ok. Concentré, hein, mes excuses. Mes excuses. Voilà, j'ai tellement concentré que j'ai oublié le X. C'est bon là? Ah là là. Trop précieuses les balles de snipe, hein. Je les ai un peu dilapidées sur la fin là. Hein. Dommage. Est-ce qu'on peut en fabriquer? Bah non, on n'a pas de ferraille. Terrible. Ah bon, on en a? Comment ça? On en a trouvé, peut-être. Alors on en a 7. Faut que chaque balle compte. Un headshot ou rien. On va bien aligner les tirs là parce qu'on va en avoir besoin. On a combien de balles de gun? Ok. Pas tant que ça. Putain, j'ai même pas vu le... J'ai même pas vu le foutu bidon qui aurait bien pu aider. Ok, c'est fait ici. Cool. Ouh. Bien. Qu'avons-nous là?
Bon, bah, si, il doit y avoir 7 balles, 7 morts, c'est maintenant. Et de 1. Et de 2. Okay. J'en ai vu un autre. Oh. Juste là, le coquin, là. On va se décaler un petit peu. Il y a peut-être des mecs qu'on peut sortir au couteau, aussi. On va faire par là. Petit détour. Ah, de toute façon, on n'aurait pas pu passer par là, d'accord. Ok, ok. Donc on a fait du ménage préventif, là. Il a un casque, est-ce que ça passe? Yes. Putain, il se réveille. Putain. Ok, j'en entends pas d'autres, ceci dit. Ok, cool, bon. Je vais pas pouvoir rentrer par là. Il faut que je trouve un autre moyen. Oh, de la ferraille, enfin. Ok. De la ferraille, enfin. J'ai entendu un petit... Oh. C'est pas ça que j'avais entendu à la base, mais maintenant, here we are. Est-ce qu'il serait en train de conduire le gerbeur? Non. Il est quelque part par là, là. Oh, excusez-moi, je viens de trouver un trésor. Oh, encore! Alors ça, par contre, c'est intéressant, il y a moyen de se faire 100 000. Il nous faut un de chaque. C'est ça, hein? Oui. Ah oui, donc 3 rectangles, ouais. Là, il nous faudrait un jaune. Donc, il faudrait dessertir celui-là. Et je remets des bleus à la place. Voilà. Hop. La priorité est sur l'autre, hein, maintenant. C'est ça, un chaque. Ouais, il nous faut un verre et un beryl. On va garder la couronne bien précieusement, on va pas la vendre tout de suite. Et au prochain rectangle, au prochain qu'on trouve, on le met sur le truc. Ok, cool. On a potentiellement 100 000 pesetas dans la poche, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Bon, le... Salazar, par contre, là. Bon, on peut passer là, en fait. Pas du tout. Pas juste là, là? Oh, je l'entends, il est si proche. Il est si proche. Sous le conteneur? Ah, c'est terrible. Ça rend fou. Ça rend fou de l'entendre mais pas de le voir. Là. Pff, super. Il était pas si bien caché que ça en fait, mais juste j'ai jamais checké de ce côté là. Super. Et un autre trésor là, avec un peu de chance c'est notre béryl. Non, c'est notre émeraude. Bah parfait. Une pièce du puzzle en plus. Non, pas sur le char. Sur toi. Parfait. Il nous manque plus qu'un, ouais. Un comme ça. Cool, cool, cool. Bien. Cool, par là donc. De toute façon, on a vu, hein, sur la map, il y a énormément de trésors. Hein. On va le trouver le béryl, c'est sûr. Et avec ces 100 000, on s'achète le magnum, on le level up à fond, et puis on fait des ravages, quoi. De toute façon,
C'est bien d'avoir des armes, mais si on n'a pas de balles... D'ailleurs, oui, on a trouvé plein de ferrailles. C'est vrai, ça. De la ferraille pour... Hélas, pas les bonnes balles. On peut faire des munitions de pistolet, d'ailleurs, il faudrait. Parce qu'on va arriver à court. On se garde une ferraille sous le coude, et puis... Et puis, ouais. De toute façon, au niveau heal, on est bien, mais c'est le reste qui va pas. Parce que là, on a combattu beaucoup de choses pendant beaucoup de temps. Donc forcément, les ressources commencent à s'amenuiser. Il y a aussi le fait que j'ai tiré beaucoup de bastos dans le portrait de Salazar. Parce que je savais pas qu'on pouvait lancer les œufs. Vu. Ça fait longtemps qu'ils nous ont pas fait ce coup-là. Bon. Rien d'autre, pas une petite clé, rien, que dalle. Que dalle. Bon, bah allons-y. Ouf. C'est bien exigu comme endroit là. Là, à part des bombes, j'entends rien. Bombe que je ne vois pas d'ailleurs. On peut sauvegarder, ils vont pas mettre une bombe dans la salle de sauvegarde quand même. Et là, t'as le dev à Capcom qui se frotte les mains en mode. Non, bien sûr que non. Ok, là ça monte. Salle de surveillance. Peut-être en face la bombe. J'ai entendu un petit truc pédaler derrière moi, mais ça devait être juste un rat. Ok. Non. Y a pas de courant. C'est à quel endroit qu'il a dit que je passerais pas par là? C'était là, hein. L'énorme porte, hein. Ok. C'est écrit quoi? Verrou électronique. Ok, ok. Bon, bah, il faut trouver une clé électronique, quoi. Alors. Mmh. Il battait contre quoi, là? Oui, à moins que cette bombe nous serve. En vrai. Mais j'aimerais bien le faire discrètement, cette histoire. Oh. Bon, bah, plus tard la description, du coup. Hein. Bah oui, du coup, plus tard. Hein. Évidemment. Oh putain, je vous jure que j'ai appuyé sur le pari. Au revoir. Ah non, mais frérot. Oh, le couloir, c'était pas le meilleur endroit pour affronter ces 4 mecs là, mais ils étaient 3 d'ailleurs. Bon, la bombe aurait bel et bien servi, hein, si, bah... j'étais pas tombé nez à nez avec le sol qu'il fallait pas que je vois. Ah, mais j'étais de ce côté-là, j'avais même pas réalisé que j'étais là. Je pensais fuir par ici, moi. Ok. Ouais, j'ai fui dans le mauvais sens parce qu'il y a un mec qui m'a retourné, en m'attrapant par derrière. Je sais que ça peut être tendancieux, mais j'ai pas fait exprès, je vous jure. Il a retourné ma caméra en me saisissant, voilà. Bref. Oui, non, on connaît pas cette... Si ? Il y avait une échelle depuis le début ? Effectivement. Donc oui, j'aurais pu faire ça discrètement en passant par l'échelle. Mais je l'avais juste pas vue. Rip. Tant pis pour la cinématographie. Par ici. Ah, la bombe aurait définitivement pu servir. Hein. Je tire un coup de feu, les trois arrivent en courant et blah. Isblet. Bon, ils étaient que 3 visiblement. Oh, ils ont des ventilos, la chance. La chance, la chance. Oh, non, ok. Oh oui. Oui, oui, oui. Bip. Y'a pas de timer, hein. Tu l'actives pour l'activer. Une fois activé, c'est activé, quoi. Parfait. Parfait, parfait. On a plein de soins, c'est pas le problème, encore une fois, tout va bien. Descendons. Oui, j'adore descendre.
Hop, pom 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 pom. Bon voilà, c'était simple. Et là, 15 mecs. J'entends que ça galope déjà. Oula, 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 oula. Oh, c'est pas moi qui joue. Ashley, Ashley. Tais-toi, Léon. Ashley, réveille-toi. Tais-toi. Oui, merde. Voilà, maintenant tout le monde sait que t'es là, Léon. Toute la Chine sait que t'es ici, hein. Parfait. Oh non. Oh non. Oh non. Non, ça va. C'est un mec électrique. Putain, il est pile poil hors d'atteinte. C'est très chiant. D'accord, super. Ok. Ok. Bon, on avait des dégâts, tout va bien. On a pas de balles, mais tout va bien. Hein. Non, je disais au nom parce que le bruit me rappelait quelque chose. Mais c'était pas ça. Toujours pas. Ça devrait pas tarder, hein, parce que... Jusqu'à preuve du contraire, c'est dans bien... C'est bien dans Resident Evil 4, les régénérateurs, hein, mais... Oula. Bon, chemin ici, chemin là. Chemin là. Oula. Entrepôt, entrepôt, cellule. Ça se voit pas, ça. Non. Ok. Ça, ça s'ouvre. Non. Il me faut une carte. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. La banque refuse de me la livrer. Parce qu'ils veulent pas faire mon changement d'adresse. Des manips, tout ça. Ah, oh, putain, ok. Bah. La porte est bloquée. Bah, au combat. Échelle ? Hein ? Attendez, il y a une échelle là ? Que j'ai pas vue ? Ah oui. Décidément, moi et les échelles, ça va pas. Hein. Heureusement qu'elles sont indiquées sur la map. Hein. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'elles étaient trop... cachées dans le décor, je ne sais pas. Peut-être que c'est un problème que seul moi ai. Ce qui est très possible. Herbe verte. Je vous avoue que je voudrais de la ferraille pour faire des balles. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc. Bon, il y a beaucoup de choses dans les entrepôts, mais ça c'est qu'on aura Ashley, visiblement. Et ça c'est quoi? Trou dans le mur, oui, bah oui, oui. Ok. Bonjour. Chut. Je l'ai rencontré. Si je me cache là, il se passe quoi? Il va ouvrir là? Et je le prends pas derrière, non? C'est ça la strat. Non, il a des agros, vraiment. Oula, oula, oula. Je crois qu'il m'a vu. Pas sûr. Et voilà! Skyrim! Easy. Y'a notre client là? Oh, ok, tout va bien. La panique! Ok! Mon dieu, il est possédé par le démon de la ragdoll. Si je me cache là, il me voit? Un autre paremos. Oh! Vous l'avez tous vu, il s'est trompé de bouton. Il s'est trompé de cachette. Ok. Parfait. Caisse. Il y a encore des gens. C'est pas terminé. Ils aiment bien arriver face à face quand j'essaie de sneak. Oula. Il y avait une vilaine créature qui a fait un vilain bruit. Elle joue son rôle, après tout. Chut. Oh, je l'ai... Désolé, je lui ai coupé la parole. Hein. C'est pas ce qui paraît!
Pareil, lui, si je peux le one-shot au couteau, ça serait formidable. Hein. J'observe. T'es là, je sais. C'est maintenant. C'est maintenant, il va se retourner face à moi, regardez. Putain, il s'est encore trompé le bouton. Tout va bien, hein. Je gère. J'ai juste quelques dizaines d'heures de jeu maintenant. Regardez la saleté qui a été prise pour arriver dans votre dos, là. Ok, chut, chut. Il est dans l'autre salle, là. Huh. Il va repasser, du coup. Oh, il n'y a pas d'endroit pour se cacher, là. Attendez. Je sais que c'est pas la version... C'est pas comme ça qu'on joue à Resident Evil. Ok. Il rentre là ? Non, bordel. Ok. Bon. J'essaie d'économiser les balles en fait, hein. J'imagine que ça se voit. Bien. Je suis très désolé, mais je crois qu'on va devoir s'arrêter là, jeunes gens. Ça m'attriste, bien sûr. Parce... Attendez, on peut voir ce qu'il y a derrière cette porte. Ah ! Une salle safe. Bah voilà. Formidable. On peut se retrouver dans la cuisine, du coup. C'est chouette. On va tout fouiller d'abord. Voilà, grenade. Voilà, de nouveaux outils pour s'en sortir. Formidable. Oh, c'est peut-être pas si safe que ça. Ouais, non, malheureusement, jeunes gens, je vais devoir vous quitter là-dessus. Sinon, l'épisode sera trop long, et voilà, comme dit, j'ai pas un PC à ce point de compète, donc il faut pouvoir les encoder. Voilà, c'est des manips, hein, tout ça. On va peut-être crafter un tout petit peu, oui, un petit craft, c'est ça que j'essaie de le dire depuis tout à l'heure. Regardez, hop. On n'a pas de grande ferraille, mais on a un rêve. Voilà. Fin du rêve. Ok. Eh ben écoutez, c'est tout pour moi, pour cet épisode en tout cas, c'était Second. J'ai l'impression que j'ai pas parlé beaucoup, parce que bah, j'étais concentré pour tuer des mecs discrètement. Mais bref, c'est pas grave. J'espère que ça vous a plu, écoutez. C'était très fun, j'aime beaucoup là. Toute cette séquence là, depuis qu'on est sur l'île, c'est très sexy, hein. Y a des vibes... jeu d'espionnage et tout, c'est très très cool. Je suis en train de crever de chaud, donc je vais sans doute aller me foutre sous une douche. Vous vous en foutez, mais voilà. Bonne douche à vous, si vous prenez une douche. Voilà. Les oubliez, hein. Oh, j'ai mal à la tête. Non, c'est cringe. Oui, bref. On se retrouve dans le prochain. Hein. Portez-vous bien. Et puis, des oubliez sur vous, tout ça. Hein. C'était Second. Bye bye.